Le doigt d'oubli, ça a commencé, c'était mis en place il y a 4 mois maintenant. Jusque-là, on a eu 135 000 requêtes au niveau européen. On voit qu'il y a des requêtes, il y a 3 sortes de requêtes. Il y a des requêtes qui sont très simples qu'il faut accepter et dans ce cas-là, on supprime le lien dans le moteur de recherche. Il y a des autres qui sont clairement pas valides et entre les deux, il y a pas mal qui sont difficiles. Donc là, il faut utiliser un jugement. C'est pour ça on a mis en place un comité d'écoute qui a des échanges en France, en Espagne, en Allemagne et ailleurs pour comprendre quelles devraient être les règles pour traiter ces cas entre les zones faciles et difficiles. Donc c'est ça on est juste en train de mettre ça en place maintenant. Pour vous donner quelques chiffres, déjà, il y a 4 liens demandés par requête, normalement, pour supprimer. Je crois qu'on a accepté 50% déjà des requêtes qui étaient demandées. On a refusé une vingtaine. Il y a une trentaine où il faut vraiment réfléchir.